Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Drian. Comme vous le savez, j'ai le code créateur. Le code créateur MasterDridri. Si vous voulez me soutenir, il suffira de le taper dans la boutique de Fortnite et d'acheter donc des items de la boutique via des V-Bucks que vous avez gagnés ou que vous avez acheté vous-même. Si vous voulez bien sûr encore plus me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, ciao ciao Mina. J'espère que vous allez bien. C'est Maître Drian, on se retrouve pour les quêtes de la semaine 1 de My Hero Academia. Alors, vous allez voir, les premières sont assez simplistes. Enfin, de toute façon, les premières semaines sont les simplistes. On a sauvé des mannequins d'entraînement dans l'eau. Une quête que vous pouvez faire en une fois. Afficher des dégâts des adversaires avec des explosifs. Obtenir le coup de poing de Deku. Et rester en l'air avec le marteau à onde de choc pendant 20 secondes. Alors vous allez voir, honnêtement, c'est très très simple. La plus longue au pire peut être les explosifs si vous ne tombez pas sur ce qu'il faut. Mais vous allez voir. Alors, mon gameplay a foiré du côté du record pour les mannequins. Mais le lieu où se trouvent les mannequins, dès que vous sélectionnez la quête, ils sont indiqués par le jeu. Vous avez juste à rester à côté. Les mannequins, une fois qu'ils sont touchés, ils disparaissent totalement. Vous êtes obligé de faire les 6 qui sont indiqués dans le jeu. Ensuite, pour la seconde quête, là je vous mets les 3 points où il y a les distributeurs si vous voulez acheter le point de Deku. Parce que si vous ne voulez pas vous embêter à le chercher, vous pouvez l'acheter à ces 3 points là. On va y aller ensemble. On va aller ensemble chercher et acheter un point de Deku. Comme vous avez vu, c'était indiqué par le jeu. Il y a 3 façons d'obtenir le point de Deku. Via les distributeurs. Tuer un adversaire qui a un point de Deku. Ou les trucs de ravitaillement. Qui ressemblent avec un énorme ballon de All Might. Vous allez voir. Ils sont assez faciles à reconnaître. On va en chercher un. Déjà, regardez, on va l'acheter là. Et dès que vous l'achetez, ça compte. Vous avez obtenu un point de Deku. Bon, allez, je vous laisse avec le petit kiff là. Je vais tuer quelques-uns avec le point de Deku. Et on se retrouve pour la suite de la Solus. Ah là, regardez. Regardez, là, il y a un petit All Might. Cela veut dire qu'il y a un coffre, on va dire, une sorte de coffre de ravitaillement. Oh, vous pouvez pas le louper, hein. Vous pouvez pas le louper, regardez-moi ça. Impossible de louper cette capsule de ravitaillement de All Might. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui y va. Ah, c'est Deku. Voilà, Bakugo va essayer de tuer et Deku. Parce que vous verrez jamais dans l'animé. Mais voilà, je l'ai tué. Regardez, là, vous voyez, il y a 2 points de Deku. Voilà, c'est une des façons de l'obtenir. L'acheter, tuer un ennemi qui en a un. Ou, ok, toi tu crèves. Ou l'obtenir dans le ravitaillement. Allez, dégage. Allez, pas me casser les nouilles. Ensuite, là, on va s'attaquer à... Rester en l'air avec le marteau pendant 20 secondes. C'est très très facile, hein. C'est pas 20 secondes en l'air non-stop. Hein. Vous me donnez un coup de marteau, vous êtes en l'air, ça cumule les secondes, etc., etc. Donc vous pouvez prendre un seul marteau. Si vous êtes riche et que vous voulez en terminer rapidement, vous
trouvez 4-5 marteaux, vous faites ça. Le PNJ va nous vendre un marteau, ce qui est fort intéressant. Moi, je pourrais en acheter que un, parce que j'ai spécialement que les sous pour ça. Hein. Je suis pas riche. Hein. Donc, on va, on va s'acheter un marteau, parce qu'il y a un PNJ qui en vend. Vous pouvez faire votre stock de marteaux si vous voulez vous en débarrasser. Ou si vous n'êtes pas pressé, vous les trouverez dans les coffres adoubés. Ou comme ça, par terre. Ou autre. Il y a plusieurs méthodes de l'obtenir. C'est pas très compliqué. Voilà, ce PNJ là va nous en vendre un. On va l'y acheter. Voilà, je peux en prendre un parce que je ne suis pas riche. Et quand vous allez faire un saut, vous allez voir que les secondes se calculent. Voilà, là j'étais à 2 secondes. Etc. Et etc. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et c'est pas obligé de le faire en une seule game. Ça se cumule, imaginons, vous vous faites tuer entre temps. Allez, les derniers, ou l'avant-dernier plutôt, parce que j'aurais pas assez. Ça fait pas 2 secondes tout ce que j'étais en l'air? Ok. Bon bah celui-là, ça va être bon. Let's go. Voilà. Et la quête est terminée. On va passer à la dernière. Bah si, j'ai envie de défoncer la voiture avec le marteau. Bakugo, il explose tout. Voilà, allez, dégage. Allez, ta mère. Et pour la dernière, il suffit tout simplement d'utiliser n'importe quelle arme, soit des grenades ou tout ce qui sert d'explosif, et d'infliger 500 points de dégâts à votre adversaire, tout simplement. Pour pouvoir terminer cette quête. J'espère que cette vidéo Solus vous aura plu les amis. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao Mina.